Alors, je pense qu'il y a une réelle problématique de soutien à l'investissement et d'éléments de réponse pour inciter l'investissement des entreprises sur le domaine de la sous-traitance industrielle. Aujourd'hui, il serait nécessaire de relancer cet investissement, ce qui permettrait aussi aux entreprises d'être plus compétitives et de pouvoir répondre aux nouveaux marchés qui s'ouvrent aujourd'hui et à la reprise économique qui s'annonce. Donc, on a une vraie problématique de soutien particulier au financement de ces nouveaux équipements. Alors, je pense qu'il faudrait un dispositif qui permette de regarder de manière globale, dans le cadre d'un projet d'investissement, à la fois sur l'investissement matériel, mais aussi, forcément derrière, en conséquence, l'investissement numérique et la transformation numérique, et puis également la formation des personnes et des collaborateurs. Donc, c'est plutôt une vision globale et qu'on puisse aussi avoir des interlocuteurs qui soient capables de faire une analyse précise et de pouvoir apporter une argumentation particulière sur l'intérêt même d'un projet d'entreprise et de pouvoir défendre ces éléments-là près des organismes bancaires qui pourraient être intéressés pour financer cet investissement.